Flic charlatan, charlatan. Flic charlatan, flic charlatan, flic charlatan. Flic charlatan. Le flic tue le charlatan. Tu crois comme un charlatan, tu crois comme un corps et comme un charlatan. Tu te fais même le charlatan. À la Russie, t'as dit quoi? T'as dit quoi à la Russie? À la Russe, tu lui as dit quoi? À la Russie, t'as dit quoi? Espion, espion, traître. Traître espion, tu lui as dit quoi à la Russie? Ah bon? C'est toi? Le traître? J'y crois pas, t'es le traître? J'y crois, c'est moi. J'y crois que je l'ai eu. J'y crois que je l'ai eu, ce nigo. T'es pas policier, par hasard? T'es le flic, t'es condamné. T'es espionné depuis une heure en mes rapports avec la femme, t'es condamné. Et tu te fais passer en dernier pour elle, et tu te fais passer en dernier pour un flic. On appelle ça une imposture. Judiciaire, t'es condamné. Oui, c'est une imposture judiciaire. Comment ça, tu rentres en contact avec les gens et tu te fais passer pour leur relation? T'as un imposteur. T'as un imposteur et tu prends en fait tous les jours, tout mon temps pour que je te retrouve, le flic, et que je te redise en fait que t'es un baratineur, que t'es un menteur. Parce que le mec, en fait, il a inventé des procès contre moi et en fait, il disait aux gens, il n'est jamais venu me voir. Et en fait, il n'a jamais rien eu comme affaire avec moi. Il a menti à tout le monde dès mes connaissances pour leur dire qu'il y avait quelque chose. Et à chaque fois qu'elles viennent, en fait, parfois, elles répètent leurs paroles. Voilà, elles répètent ces paroles en disant qu'il y a un procès, par exemple, qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est juste un rôle que je joue, c'est un artiste que je suis. Voilà. Et donc, en fait, ils se font baratiner par un faux flic. Un faux flic qui leur ment. Et en fait, je ne sais pas comment il leur ment. Et le plus dérangeant, c'est qu'il s'insinue dans les relations sexuelles. Voilà. Et il s'insinue aussi, bah voilà, tu l'as. Tu l'as le faux, c'est un faux messie en effet, il s'insinue dans les relations sexuelles, dans les relations de mariage, dans les relations de compagnie aussi, dans les relations de compagnie. Donc en fait, c'est quoi ce flic? C'est un flic en fait qui désire par exemple votre sexe, tout ça, et c'est pas vrai, voilà. Et en fait, c'est en fait longtemps, hein, longtemps qu'il fait en fait, qu'il fait de la captivité. Il vous rend captif, il vous rend captif si vous ne savez pas pourquoi il le fait, voilà, il vous rend captif. Juste dire qu'il rend captif les gens parce qu'en fait il les autorise pas, voilà, il les autorise pas à savoir pour les gens qu'ils connaissent, il les autorise pas et en fait il rend par ça captif les gens en juste leur demandant d'y croire. Quand ils sont plus là, il prend leur place. Il y a un rapport au début avec ces gens, puis après ils sont plus là et c'est lui qui prend leur place. Et en fait il se fait passer pour eux des jours entiers et des jours entiers il vous maintient en captivité juste parce que vous le dites pas. Donc c'est détention forcée, ça s'appelle. Des torsions forcées dans un individu, c'est 20 ans de prison. Mais vas-y, c'est ça, ouais. Ouais, c'est 20 ans de prison. Détenir un individu forcé par exemple, un agent qui est dans un centre pénitentiaire et qui ne le dit pas, ou un homme qui est en exercice, il perd ses fonctions et c'est 20 ans de prison. Donc, excuse-moi, mais tu ferais mieux de dégager parce que je t'ai grillé en public. Ça me fait pas plaisir. Te revoir, ça me fait pas plaisir. C'est longtemps, j'ai attendu longtemps, j'étais épuisé. Ça fait longtemps, bébé, que je t'ai vu. Je pense toujours à toi, autant. J'ai longtemps expliqué pourquoi. C'est une question. Une question pour toi. Oh, une question de vérité. Une question de vérité. Mais quelle était? Quelle était la belle direction? Voilà, intérêt, toujours intérêt. Intérêt, et beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt. Il n'y a que ça aujourd'hui, il n'y a que ça. Il n'y a pas des mecs vrais. Vrais sans intérêt, ça n'existe plus. Ah ouais? Sans intérêt? Sans intérêt, bien sûr. Mais c'est Messi. C'est Messi. Alors, qu'est-ce que je gagne? Non, sans intérêt. Bah oui. C'est normal. Alors, qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes le temps, le temps. Le temps du part. Mais c'est ça, ouais, le temps du part. C'est pour un part. Pour un parti sans intérêt. Bravo. Un parti qui n'a pas d'intérêt. T'as déjà vu? Mais vas-y, je n'ai pas.
Monsieur Muti, c'est parti. C'est moi, c'est moi, c'est moi, bébé, c'est moi. Arrête, tu vas la voir. C'est toi, c'est moi. J'ai rien, t'as compris, j'ai rien. J'ai compris, t'as rien. C'est pas vrai, si t'as rien, c'est pas vrai. Il faut céder, mais. t'es là. C'est pas vrai, je pense qu'il faut se démener, je me suis fait avoir. C'est parti, ça va, c'est parti, il y a quoi dans le parti? Ta rencontre, il y a ta rencontre, c'est ça, c'est ta rencontre, c'est ça, ma rencontre. Après, je vais voir, après, je vais voir. Après, tu sors, j'ai compris. Tu sors, tu fais sens, tu fais sens. Oui, elle a compris. Tu fais sens, tu fais je, tu fais je. Je vais le faire. Hein. Voilà, tu vas le faire. Je pense que tu vas le faire. Mais c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vas le faire. Mais là... Vas-y, tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu l'as eu, ouais, je l'ai eu. Andy. Andy. Distance. Distance, vas-y. Allez, va. Distance. Ah ouais, j'ai compris. Distance. 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 Ah merde, ça me l'a mis dans le con. Merde, éloigne-le. Ouais, c'est bon, ça l'éloigne, c'est bon. Tu vois que ça l'éloigne. Dès qu'il l'est pris, il est éloigné. Voilà. Il veut pas le dire, mais ça l'éloigne. Ça l'éloigne. Voilà, ça l'éloigne. C'est pas vrai, hein. Ça l'éloigne, c'est pas vrai. C'est jeune. Bah ouais, c'est best. Ouais, t'es là. C'est la peste. Ouais, tout à fait. C'est ma best. Elle a le droit d'être ici. Elle peut le faire. Elle a les qualités. Mais je vais en faire. J'ai en faire aussi. Ouais, tu as en faire comme tout le monde. Yann, oui, c'est toi. En effet. La peste. La peste. Arrête, tu m'as eu. Qu'est-ce que je fais? Bah, t'as les qualités, tu peux le faire. Ah bon, je peux faire quoi? Tu peux faire toi. Toi, ce que tu veux, toi. Mais, par exemple, ce que tu veux, c'est Mehdi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, t'es précipité. Non, c'est pas vrai. T'es précipité dans c'est vrai. Oh, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui! Moi, je t'en. Toi, moi, c'est pas. Moi, c'est pas. En fait, c'est connu. Tu comprends? Moi, c'est connu. C'est même très connu. C'est très connu, hein. La femme, là, c'est très connu. C'est tellement connu, en fait, qu'on ne peut pas la louper. Voilà. Même elle est gardée, voilà, elle est gardée. Elle est gardée, voilà, c'est ça. Je ne veux pas le dire, elle est gardée. Ouais, c'est ça. Mais quel sens? Quel sens? Ah, si, elle est jeune. Ah bon? Arrête! Mais j'ai repris le flambeau et je vais exploser le mondial. Ça commence à me taper sur la cassette. Ben, quelle est votre économie mondiale? De l'esprit de vérité qui me suit à la perfection. Dans mon classique, il y a l'économie. Mais quelle économie? Celle du grand sceau, le sceau du prophète, l'économie que vous désirez dans l'islam, la dernière sagesse de la valeur, du bien guidé, le rôle des sentiments, les sentiments du créateur pour le bienfait de la révélation, le bien guidé, le rôle des anciennetés sur le modèle à pouvoir
L'économie est l'attente du dernier jour. Le rôle de cette fabuleuse direction, le sens des vraies distinctions entre le moyen de rompre le modèle indiqué comme la seule fin en soi du rôle de l'être renseigné sur sa bonne guidée pour le plus grand parti qui va rattraper le choix des enjeux de la dernière religion. Pour le bien guider, il y a un pas vers le futur de cette économie du droit chemin. Économisons le droit chemin pour avoir finalement cette libération à la connaissance de cause et de fait de notre dernière rencontre avec les grandes lignes du Tu as faim, peuple, madame? les grandes lignes du peuple, et Madame, est-ce que tu as évidemment faim? inspiré sur le dernier sommet, le sommet de l'économie. La religion va entendre que c'est religieux, le parti économique du sentier de toutes les nations, le rôle de cette économie, le rôle de la loi qui vient jouer le nom bien guidé. L'État qui me voit classique, exposant l'État qui est en fait dans un nom appelé califat, l'exemple même de cette évidence où l'appât n'est pas la couleur du livre, mais le choix de se rendre compte de l'efficacité de la justice dans la loi du souverain de l'islam pour le domaine des pratiquants. L'économie revient à notre cher envoyé, le sens d'enseigner et de répondre à la conquête de la plus grande réalité de notre royaume. Les sentiers sont présents, coûteux, à la fois valorisés par des chemins, des savants qui veulent le dire. Quel est ce nouveau sens économique? Il y a effectivement une tradition et un nouveau sens de l'économie. Il y a aussi la plus longue interprétation du bien guidé, jour des nouvelles sur la cause de l'économie au jour dernier du devoir de l'appel à la dernière transformation. La dernière transformation du mode de la souveraineté. Mais ça suffit. Je vois ce qui se fait connaissance, je vois partout mes modèles, ma création. Je me vois même dans le soleil, couchant, levant, sentant la vérité. Le soleil qui sent la vérité, c'est l'approche du guet, l'approche du grand saint, maître du temps. Roi des créations nouvelles. Peuple, je t'appelle à guider ton choix dans l'au-delà. L'au-delà vient jusqu'à moi pour te guider vers l'esprit de vérité. Tu as ton compte. Tu penses pas qu'ils peuvent, non, pas le dire. C'est moi la vérité. C'est moi qui le dis, mon peuple. Tu devines vraiment que j'ai les clés, que j'ai la connaissance. Tu devines que je suis le bon, bien faisant, esprit
qui rend la création vraie, aussi qui tend la main à ceux qui veulent avoir du nouveau goût à la connaissance. Je donne cette explication du grand parti, le parti qui est fin. Fin, c'est dans la finesse que tu trouves ta réponse au temps. Aussi, tu réponds au temps. Aussi, il y a un créateur qui l'a rendu pour toi accessible par le biais de la Terre Sainte. Tu as le nouveau réseau de la connaissance. La vérité est dans ses traits, ses grands traits de la grande direction. Elle est le grand supérieur, supérieur par son mouvement, sa lumière qui ne cesse d'éclairer le grand bien guidé. La justice, je veux la justice pour tous et toujours. Je veux toujours la justice. Je veux et je prescris la justice. J'enseigne et je conduis la justice. Il y a une parole d'Al-Mahdi que vous n'avez pas entendue. Je conduis le juste à la dernière jeunesse de sa vie en Dieu. Je suis le grand peuple en roi des connaissances du temps. Je suis le grand libérateur vers le haut Seigneur qui trône sur les cieux et qui fonda la royauté comme sa louange. Il est le grand roi, le sentier et la dernière loi. C'est le bien guidé, bienfaisant, rang de sa connaissance qui dirige tous les mouvements. Expliquez-moi quel autre Dieu, quelle autre religion. Il n'y a pas d'autre Dieu ni d'autre religion. C'est lui seul l'équité, la grande intelligence. Vers lui est la connaissance comme la croyance. Il est le sens et la supériorité. Il est le don et la naissance des plus grandes idées. Le rôle et la justice partout où que ce soit, le temps est la dernière solution pour le martyr. Le martyr est sa connaissance. Vise le peuple qui a beaucoup, beaucoup de Palestiniens morts sans le dire, avec beaucoup d'honneur dans l'estime et la conséquence du choix de leur grande nation. Ces peuples sont des peuples qui sont repentis et à la fois réalistes dans leur royaume. Ils sont la grande idée vers le cœur de la nation et l'inspiration de toute la communauté. Les peuples sont une grande voie avec Allah, sa paix est la grande vérité. Le jour des peuples est le jour des causeurs, les causeurs de la justice. Et vice-versa, j'enseigne toujours le bon choix à la dernière communauté. C'est le sens donné à toute l'aile de la royauté, le rang de la maison de Dieu et le rang des grands saints dans le sommet de leur âge, vers le moyen d'arriver à leur destination, le grand saut de la soumission. Vise vers les grandes encore paroles, des grandes solutions, les versets qui entourent de par la grâce et la paix d'Allah, le rang et la dernière grande rencontre avec le sage, le tout-puissant, celui qui mène les compagnons
aux devoirs et les grandes raisons à l'aboutissement de la connaissance responsablement, la connaissance qui a son choix, mais qui retourne à Allah par la volonté de réussir l'étape de la dernière religion. La vérité sur les révolutions sont des estimes pour le peuple, des grandes libertés que Dieu accorde à la dernière religion par le sens de la première rencontre avec la dernière direction du repentant califat. Ce calife qui sait se repentir et retentir comme le roi des créations nouvelles. Le sentiment que nous avions n'était pas juste une paix, mais aussi une longue destination vers le grand, le très grand, le roi qui vit toujours. Le sentiment qu'on a dans le peuple et la grande sainteté du temps envers le Créateur, roi des estimes, roi des compagnons, Dieu de la mesure, du temps et de la religion, connaissant le calcul de la prophétie, l'État se sert sur la rencontre avec Raziz et Hakim, l'ancien et le premier et le dernier jour. Le temps le dit, c'est lui la conséquence et le dernier royaume des compagnons. Jésus, né à Nazareth, d'origine de la succession, vivant en France, dominant le royaume par la simple idée de la maison de Dieu, toujours là pour vous conduire avec toutes les bonnes reconnaissances, vise la totalité de notre royaume, le grand sage qui donne la miséricorde au royaume appartient le temps. Au temps est la conséquence du Seigneur, le Seigneur qui envoie l'esprit sur le nom de la dernière religion, la dernière terre, la dernière France. Et oui, je gagne sur le terrain des anciens, sur la pensée qui vise la reconnaissance et le jour des pluies de la terre sainte. La connaissance est soumise à l'ordre de la royauté du Kaïm. Je suis cette ancienneté, même dans les connaissances qui font reprendre la parole au jour dernier, sur la dernière naissance du temps et de la Mecque. La Mecque, le temps qu'il faut entre vous-même et le Seigneur pour reprendre le fil du parti et redonner à la vie sa croyance sur la religion et le message du dernier jour. Le corps de ce messager, le corps des anciennes paroles qui ont fait le rôle du dernier successeur de la dernière communauté, vise vers le dernier roi, le roi qui a longtemps été le Mehdi. Cette histoire que je raconte comme si je l'étais depuis longtemps, comme si cette histoire ne m'était pas inégale, mais m'était parfaitement dans le sens de ma recherche, pas loin de vous parler une autre langue. Je suis en fait en Rasoul Allah, le bien et la communauté, Inch'Allah, la dernière. Je suis en fait des anciennetés de la part de Dieu, des grandes idées,
des ancêtres qui ont vécu le même parti, mais aussi un temps exprimant toute leur réalité sur la volonté d'Allah. La prophétie ramène le nouveau peuple à la connaissance de la richesse dans la terre qui pense Dieu, Dieu qui a le sens de conduire le rôle de la souveraineté et de s'asseoir, s'asseoir en prière avec les connaissances et répondre à la Mecque de manière précise sur le dernier jour. C'est le temps final. Le temps final du royaume, le grand sol de la rencontre avec le dernier jour des êtres humains pour revenir à la dernière religion et s'asseoir avec le prince et dominer avec le Kaïm. Esprit du grand, vive la grandeur, la grandeur, le jeune esprit, esprit qui ramène, ramène la Mecque au calife, et le royaume à la dernière réponse. La réponse du grand seul le dernier jour. Allahu Akbar. Et quel parti pour un seigneur si jeune, si connu, si père aussi, si père. Le Seigneur est là. Allah. Tous les cieux reconnaîtront le nom sacré de la dernière religion pour le dernier jour de Dieu, le grand, le maître de la paix, le sage compagnon. Voilà, tu l'as eu. Personne, non, personne n'a autant d'espoir que Dieu. Personne ne peut faire autant de messianisme. Tout le monde sert aujourd'hui la seule religion qui lui est donnée pour la dernière rencontre. Il est le grand, le très grand. Vous avez raison sur Al-Mahdi que c'est saint, saint dans le temps. Des religions, c'est la dernière religion que je suis. La prochaine fois, je vous l'assure, je mettrai tous les efforts dans cette direction. Il s'agit d'une seule nation, la nation qui a très, très, très grandement écouté Al-Mahdi. Aujourd'hui, vous m'avez encore plu lorsque vous avez raisonné avec la voix. La voix qui sait le temps et la raison de vivre, vivre la protection d'Allah. Cette protection est la grande nation, sûre sur le commandement de sa rencontre qui vient tous nous guider. Science du destin. Si je le sens, président, président dans les religions, même au-delà, dans le peuple, sur la dernière communauté, la dernière religion, il y a forcément notre justice qui compte. Et effectivement, notre portée dans l'État est forcément le calife aujourd'hui, le calife de toutes les nations. Il y a aujourd'hui votre bon guide qui vous appelle. Répondrez-vous à l'appel? Aujourd'hui, je vous en conjure de répondre à l'appel. Je vous ordonne de répondre. Vous allez répondre, Inch'Allah,
sur cet appel, l'appel du sage. Le sage qui donne le livre du religieux. Le religieux sommet, le sommet le successeur. Le successeur, le sens guidant, la recherche au pouvoir des anciens, au message de la dernière égalité du royaume et de la mère du livre, la rencontre de la religion avec la dernière communauté, la dernière connaissance, le sommet de notre religion et le corps attendu, annoncé, établi comme la religion. Et vous allez dire l'État, je dis aussi le califat. Vous comprenez qu'il s'agit d'une grande réplique sur les sommets de notre royaume. Le corps est un esprit qui rencontre et perçoit la dîme pour le roi qui s'est longtemps dicté la pensée du parti au destin de la dernière succession du temps dernier de la terre, de la destinée et du sommet, sommet de la vérité. Au sommet des vérités, au sommet des grandes vies qui composent le grand chef, le chef éternel, qui n'abuse pas ses louanges de donner plus qu'elles ne peuvent donner à son retour. Il est le sens guidant, le parti à l'appel du dernier jour. Mais c'est Messie dans le corps, Messie du dernier jour. C'est bête, hein, c'est bête ce qui vous est arrivé, c'est bête. Sur le temps, c'est bête. Vous étiez guidé, guidé par un geste de la main, un geste de la connaissance, de la prophétie, du rôle des anciens. Sur cette même libération, le grand sage et l'esprit vivant toute la croissance, la croissance des sages. Les sages qui vont croître, croître avec Allah, comme si c'était du sentier qui reconnaissait la grandeur, enfin la reconnaissance. Puis vous arrivez au sommet qui est rang, aussi rang, rang de la certitude, rang de la savante victoire, la victoire au roi qui rend vrai la vie après le temps du dernier monde, le monde qui n'a pas eu beaucoup, beaucoup de rassouls, mais qui les a comptés, comptés comme une réponse. Il y a votre longue vie qui vous attend pour la dernière venue d'Allah. C'est lui qui attribue et aussi c'est lui qui restaure. Il est forcément votre réponse et celui qui ramènera les trésors pour sa religion. C'est dans cette connaissance que vous rattrapez son moyen de trouver le jour plus jeune dans les vies qui connaissent la dernière victoire du chef élu, de la dernière rançon, la rançon du calife, le grand peuple, la grande possibilité, le grand
Équilibre, équilibre du choix, de la terre et du royaume. La dernière science, la science équivalente du promis et de la protection. La protection du grand bien guidé choix, le choix de la nation au temps où nous ramenons aux réalités, les réalités les plus élevées dans la pensée pure, d'élever, élever la royauté. Il n'y a pas d'autre monde que celui béni par le Seigneur lui-même, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi des pensées et du parti qui a rétabli le monde de la dernière création, création du Seigneur, le Seigneur aux quatre ailes du Saint-Esprit, les rangs de la dernière venue, la venue aux quatre directions, le sens est donné sur les quatre chemins, les quatre chemins du dernier sentiment, le sentiment des peuples, et les peuples reconnaîtront le dernier Seigneur, le Seigneur qui vient exploser les compteurs sur la souveraineté, la grande parole, la loi de l'équité, la grande situation, notre option pour la dernière nouveauté, le grand peuple et la grande histoire. Le trait de l'union pour la guider de la phrase des peuples, les peuples au fin parti, le parti vrai des causes, les causes qui font résonner la dernière vie comme la voix qui a été illuminée par... Elle n'est pas jeune, Julia, voilà, elle veut présenter l'œuvre, avoir connaissance du chef, penser la première nation, la dernière communauté. Elle a certainement plagié. Je veux restaurer toute la dernière connaissance. Julia, qui peut le dire sur cette vérité, c'est libérer tout, toute la condition pour avoir plus de choix. De choix, et la condition est libérée. Maintenant, il vous faut faire juste le choix de rendre la maison. Vous retournez, Julien. Vous retournez au CV. Au CV, vous retournez au CV. Vous enseignez, vous enseignez. Vous restaurez tout. Vous restaurez tout. Allez, baliverne. 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 Allez, ce n'est pas vous. Allez, je ne sais rien. Je ne sais rien. Parce que vous êtes là, je ne sais rien. Je peux rien faire. Je ne fais pas seigneur, je ne fais pas seigneur. Vous enseignez. J'ai personne. Vous débutez. Vous êtes au début. Mangez. Mangez le prix. Le prix du game. Le parti. De la connaissance que je dénonce, les représentants, la dernière solution au règlement de Jésus,
l'héritier du Messie, le don de Jésus, les grandes jeunesses, la pensée des vérités, la connaissance. Je donne plusieurs temps. J'ai faim d'avoir raison. Je sers davantage le destin dans ma recherche. Un Français que tu fais le temps souvenir, collection. Tu fais des collections, des souvenirs. Tu retournes. Tu n'as pas obéi comme les chiens qui te voulaient des obéissances, des servitudes. Est-ce que je sers Julia? Ben, je ne sers pas. Je ne sers pas les chiens. Je ne sers pas les chiens. Je ne sers pas, madame. Je ne sers pas, madame. Je ne sers pas, monsieur. Monsieur Jacques. Oui, Julia, qu'elle l'a dit. Je ne sers pas, monsieur Jacques. Mais je n'ai personne, moi. Personne. Un chien. Tu veux servir un chien? Tu veux servir pour te nourrir. Le cœur. Je vais vous avoir dans le cœur. Je vais vous avoir dans le cœur. La lettre posthume. Mais c'est pas vrai. La lettre découverte du Seigneur, les quatre directions, les quatre temps, le quatrième, Islam, le quatrième jour. Le quatrième jour de restaurer et l'hôpital, c'est pas vrai, la mort de Jésus, non, de l'autre qui était mort, non, pas cette année-ci, c'est vous dont on parle, la mort. C'est vrai, vous concernant. Tu perds parce que tu n'as pas de liberté maintenant. Tu n'es pas libéré. Tu n'es pas libre. Tu es descendante. Le trou là, c'est descendant. Le trou, c'est descendant. Est-ce que le trou, c'est descendant? Non, c'est pas descendant. Te vois. Allez, Julia. Trou, merci. Trou, ben oui. Trou, mince. C'est pas récupérer tout. J'ai tout récupéré. Ah bien. Comment ça va? C'est personne. Ah bien. Ah bien. Trop fion.
Personne ne me suit, personne. Ah. Bien. Quand je viens, là maintenant. Tu vois que c'est pas délicat, hein? C'est pas délicat. Il faut le dire, il faut le dire. Le Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Voilà. Ton trophion qui n'est pas libre non plus. Il n'est pas libre non plus. Il est méchant, il est méchant. Il va vers la décrépitude du soleil. Il est dans le religieux sans état. Il va vers la décision. La décision, inspire-moi la décision. C'est faux, je pense, c'est faux. C'est faux. Il va vers une décision, hélas. Hélas, il va vers une décision. C'est pas vrai te concernant. C'est pas vrai te concernant. Tu n'auras pas l'hospitalité. Tu n'es même pas. Là, l'italien, là, tu n'es même pas jeune. Elle a triché. Elle a triché. Oui, je suis là. Elle a triché. Elle était juive. Elle a triché. Alors, je convoquais même le président pour dire qu'il a triché. T'as jamais vu ça dans ta vie? Jamais t'as vu ça? Elle était juive. Je convoque le président parce qu'elle a triché. La guerre, enfin, la guerre, elle a triché. Le président, j'ai passé le chemin, voilà, j'ai passé le chemin. J'ai de la chance, j'ai de la chance. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette élection, c'est pas vrai. Écoute, ferme ton clapet, hein. Ferme ton clapet, on t'a assez entendu. Ferme ton clapet. C'est pas possible, cette femme. Elle n'est pas le président. Elle n'est pas le président. Elle veut servir. Elle veut servir. Elle veut connaître seulement. Connaître, qu'est-ce que c'était? Connaître. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut connaître, c'est tout. Elle est bête. Ça suffit. Ça suffit, j'ai rien dit. C'est quoi cette histoire qu'elle est bête? En fait, elle feint juste l'intelligence. Elle feint l'intelligence, mais Dieu le sait qu'elle feint l'intelligence pour pouvoir mieux posséder après. Elle ne connaît quasiment que possession. Elle est très possessive. Elle ne fait que posséder. Elle est d'ailleurs la première personne que j'ai vue. Elle possède effectivement aujourd'hui une maison. Voilà une maison. L'islam le dit aussi, elle possède la maison. Elle possède la maison et pour rien, elle possède la maison pour rien. C'est dramatique, hein, c'est dramatique. C'est très dramatique. Ben Emmanuel possède la maison pour rien. Elle fait danger, souvent c'est danger qu'elle fait envers le choix des citoyens. Je suis pas loin, hein, je suis pas loin. Je suis pas loin. C'est rare qu'on s'en souvienne de cette histoire qui ne laisse pas d'autres religions. Voilà. C'est très rare, c'est très rare. Mais Julia maintenant, Julia, qui n'est pas libérée. La connaissance n'est pas libérée. Elle n'est pas libérée. C'est gentil, mais ce n'est pas libéré. Ce n'est pas libéré. Vous enseignez, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. T'es personne, t'es personne. Tu veux pas dire que t'as l'autre mari? L'autre mari, tu veux pas le dire? Eh mais n'importe quoi, n'importe quoi. Mais si, je suis profondément déboussolé, déboussolé. Déboussolé par cette connaissance, déboussolé. Je suis profondément, avec Emmanuel Macron, déboussolé. Longtemps, j'ai compris que c'était pas vrai. Longtemps. Macron, ah oui, j'ai eu la captivité. La captivité, c'était pas vrai. Cette forme captive. Captive, toujours captive. Comme si on vous détenait.
On vous détenait dans une captivité. Mais c'est tout à fait ce qui s'est passé me concernant. Tout à fait. C'était plus poussé que ça en a l'air, hein, cette captivité. Très organisée, très ordonnée. Hein. C'était une captivité. Une captivité, on pensait, moi je pensais d'abord que c'était que par exemple, une tentation d'esprit, par exemple, quelqu'un qui me tentait en esprit, de l'aide, par exemple, son serviteur, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai compris, en fait, il y a un corps qui est rappelé tous les jours à la personne pour qu'elle y croit, même si elle ne le voit pas. Et en fait, quoi est-ce qu'elle ne voit pas? Ne voit pas plein de choses. Plein de choses qu'elle ne voit pas. Et en fait, c'est tout un système. Tout un système. Tout un système qui est coordonné. Coordonné pour que la personne ne quitte jamais la captivité. Qu'elle soit toujours enfermée dans cette forme de captivité qui est créée de jour en jour, qui est augmentée de jour en jour. Jusqu'à ce qu'en fait, à la fin, il y ait un seul témoin. Il y ait une seule personne à qui on veut parler. Et c'est comme ça. C'est comme ça que s'est faite la raison. La raison. L'intérêt de la nation. Mais c'est ridicule. C'est ridicule aujourd'hui. C'est ridicule. C'est pas vrai. S'il vous plaît, c'est pas vrai. Que votre frère m'a dit, moi, soit en captivité, c'est pas vrai. Voilà. Vous devez dire que c'est pas vrai. Merci. Ben, je sais qu'il y a la captivité. Alors j'en sors. J'en sors. Parce que j'ai de l'honneur. Parce que j'ai du courage. J'en sors. Je vais vous expliquer. Se débarrasser. Se débarrasser des captifs, tout simplement. Qui me rendent captif, faut s'en débarrasser. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais on doit, en fait. J'ai guidé hein, ma communauté. Durant les événements, je dirais ma communauté, la solution, je l'ai trouvée. Mais la solution face à la captivité, c'est en fait l'intelligence, la plus grande intelligence, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est qu'une intelligence sur intelligence, voilà. Même, je vous ai dit, en fait, il y a possibilité des captivités sur le corps, directement sur le corps. Mais il le faut. Il le faut. La captivité sur le corps, ils le font. Rendre votre corps captif, tout simplement. Quelqu'un qui s'assoit à votre place, quelqu'un qui mange à votre place. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans que quelqu'un soit votre corps. Et en fait, c'est ça la captivité. Vous ne pouvez pas même aller vous reposer sans que quelqu'un dorme à votre place. Et vous parle, même vous disent de vous réveiller. Et en fait, vous n'arrivez pas à le voir. Mais vous le sentez tout le temps. Et il a contrôle peut-être, s'il n'a pas encore contrôle sur vos sens, dominez-le. Dominez-le avant qu'il essaye de vous rendre captif. C'est ça qui s'est passé. Des gens qui ont tenté de me rendre captif. Mais en fait, je les ai eus quand même, je les ai eus. Ils sont toujours hein, dans cette démarche. Ils vont, je pense, se faire avoir. Je vous dis, la captivité, il faut la tromper directement. Là, je vous montre un exemple, je la trompe directement, la captivité. Qu'elle soit du domaine des pouvoirs, comme du domaine des anciens, comme du domaine des nouveaux, comme du domaine des puissances, il faut la tromper. La captivité, il faut la tromper. C'est le seul moyen. La tromper et trouver la vérité, encore une fois. Trouver la vérité, encore une fois, même dominer, rendre-la pareille. Je vous dis, il faut rendre-la pareille à ce qu'on vous a fait. Ils ont essayé de me rendre captif, je vais rendre là pareil, je vais rendre là pareil. C'est quoi ça? C'est quoi ça, vous rendre captif? C'est quoi cette idée? D'où elle sort? D'où elle est sortie? Mais d'où elle est sortie? On dirait que c'est une révélation. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ben, nous sommes dans un temps de guerre, il y a des preuves, hein, il y a des preuves de tout ça. Ce sont en effet, je suis monarque, hein. Je suis monarque, je suis monarque. C'est longtemps. Longtemps qu'ils m'ont fait une captivité pour éviter en fait d'avoir à jouer le rôle à leur place aussi, mais pouvoir prendre les biens. Je vous explique, c'est en me suivant qu'ils l'ont fait, en me suivant. Et en fait, c'était s'attribuer. Ils s'attribuent les mêmes choses que vous. Ils disent qu'ils sont capables de faire les mêmes choses tous les jours. Ils disent qu'ils sont même vos esprits tous les jours. Ils n'en finissent pas. Avec la captivité, ils n'en finissent pas. C'est tous les jours des grandes descentes. Il y a des grandes descentes tous les jours. Et plein de gens le font, plein de gens. C'est bourré hein, de tous les côtés. Bourré de tous les côtés. C'est bourré le royaume, encore une fois. Ça bourre le royaume.
Et en fait, ils ont bourré, même ils ont essayé de bourrer le roi. Et il y a longtemps que j'ai parlé de cette vérité, de bourrer même la reine. Mais ils veulent pas bourrer la reine. Ils veulent en fait une autre ville. Ils sont. Voilà comme ils sont eus. Ils sont actuellement dans l'état. Ils sont dans l'état. Et plein de tentatives, ils ont plein de tentatives. Hein. Mais tentatives, peut-être un peu trop infructueuses. Un peu trop. C'est un peu trop innocent finalement, je veux dire ignorant même, ignorant. C'est ignorant de les croire, c'est ignorant, à un moment donné c'est ignorant, vous apercevez que c'est ignorant. Pourquoi les croire? Mais une personne, personne n'est autant, mais si, parce qu'il y a ce messianisme, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le messie? Elle devrait représenter, représenter, mais dès que vous représentez, elle vient cette histoire, elle naît, je peux devenir présent, mais combien je dois plomber avant? Voilà la question, combien je dois plomber avant? Vous n'avez jamais entendu ça de la part d'un président, mais c'est un peu ça dans la réflexion future. Hein. Combien je dois en plomber? Mais en fait, plomber quoi? Ben, c'est plomber peut-être, plomber combien plomber de lois? Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. La retrouvaille, c'est un peu ça. Les lois qui ne peuvent plus exister. Ben, en fait, il y a beaucoup de ça dans le gouvernement actuel, sauf qu'en fait, finalement, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas ça qui se passe. De trop de conditions ressurgissent qui ne sont pas en fait, qui ne sont pas découvertes en tant que telles. C'est un grand chercheur comme ceci, ce que je vous dis, qui peut le découvrir tout le temps. C'est de la grande recherche, de la grande méthode, c'est des grands sentiments aussi, des grandes directions, c'est plein de ces choses-là. Et vous partez sur la guidée, certainement. Mais vous allez loin, faites pas confiance, vous allez loin, avec cette direction, vous allez loin. Bégère. Bégère si tu dois vivre. Bégère. Ça pue, je te fais confiance, mais ça pue. Il faut pas le faire, je pense qu'il faut pas le faire. Il y a un truc qui me dit qu'il faut le faire. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, je sens que c'est vrai. Les réponses. Ah, voilà, c'est très indiqué. C'est tout indiqué. Ah oui, c'est ça, je confirme, c'est ça. C'est très bien guidé, très bien guidé. C'est même en fait la connaissance, voilà, c'est ça. C'est répondre à tout. Ah, là, ça m'a indiqué. Je sais que c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, là, j'ai compris. Alors là, elle peut plus dire, hein. Elle peut plus dire, hein. Elle peut plus dire, hein, elle doit dire. Il doit dire la prophétie. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Manuel, tu dois dire la prophétie. Ah, c'était un rat. Ah non, ah non. Ah non, ce n'est pas un rat, c'est un nom. Ah, j'ai resté le mal. C'est un nom, c'est une grande signature, une grande signature. Encore la grande signature, les évidences, les évidences, les grands esprits se rencontrent, les grands esprits se rencontrent. Et ouais, c'est pas vrai, je pense. C'est pas vrai, je vous dis, c'est pas vrai. Donc pensez, mon esprit, pensez, mon esprit. Pensez, l'État, l'État. Pensez que j'ai raison, j'ai raison. Ça gruge, néanmoins, ça gruge. Ça gruge. Démocratique, oui, c'est la cruche démocratique en effet. Vous laissez songer même que c'est le même état. Voilà, c'était dans la résurrection, c'est ça, dans la résurrection. C'est dans la résurrection le temps le dit. Voilà, c'est ça. C'est une grande phrase du prophète. Voilà, le temps le dit, la grande idée. Ouais, bon, ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. L'ordre, et cette vision. De vision de cette de c'était prêt et le prêt bon, c'est difficile hein. C'était prêt, j'ai pas eu le temps de le bosser ces derniers temps, mais il est prêt, non, il est prêt, c'est prêt, c'est beau, c'est beau, c'est prêt. Le site en fait il est quoi? Le site est le cercle, symbole de la réunion. Ah, j'ai compris, symbole de la réunion, symbole du rassemblement, c'est ce rassemblement. Symbole de la connaissance, c'est vrai, symbole de la connaissance, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça le site, c'est vrai, symbole de la connaissance. Au final, ça traduit une vie,
Une vie, une connaissance, une certitude, voilà une certitude. Ça emmène au temps, à la rencontre, voilà. C'est des rencontres, sans oublier ma religion, c'est des vérités, voilà, c'est des vérités. Voilà, te tenir sur tes gardes, savoir que c'est toujours, hein, toujours les mêmes, la même chose. Mais c'est pas vrai, je pense que c'est pas vrai te concernant. Alors, c'est pas vrai quoi me concernant? C'est pas vrai, c'est faux égal, voilà ce faux égal. C'est pas vrai le faux égal. Vieux de piège, l'erreur, de l'égal. Et finalement, on pense l'avoir eu parce que on pense que c'est ça qui nous a convenu, mais c'est faux. On s'aperçoit plus tard après que c'est faux, quand le temps passe tout simplement. On s'aperçoit que c'est faux, même dans le politique, c'est faux. Bravo de l'avoir. Alors, c'est vous? Il faut se le dire, si c'est tout le temps la même chose. Personne ne m'a vu, personne. Obligation to save my choice and your choice. And the same way, the same solutions, not the same equation. Discover a new west and the new east. It's not nothing, but appeal. I have a call to do because. Because it's too many promise that I make, too many promise. So I have a call, I have a call. Yes, I have a call. Sir, miss, I have a call. I have my call. The call of the last day. The call of the last imam. It's a Mehdi. It's a Mehdi in the last day. In the last day. What is a Mehdi? What is a Mehdi? It's his explication. Explication with a lot too many cause who form the destiny. Recall this, it's too many thing, too many thing to plan in Allah, force to Allah. And again, time and time after, force to us, with the Homa, play me, play my role, it's successor, I can have it, it's Mehdi, my role, it's Mehdi. I will do it, I will do it. And I don't preview before, but I can preview now. I can preview now the role, because I have my role, I have my role. It's important what I want, me, Al-Mahdi. I want the sex for knowledge, only for knowledge. I am good guide, good guided. I was not planning anything else. Just sex. Thank you to understand it. It's just this, the last demand. I have world. I have world. To play. I have a world to play. False, and inspiration, too many time. After and inside, inside the world that I do. Making the world is for me, making the Mehdi. Like it too much. Understand it with a clear idea. With the prophecy of Muhammad the God himself, who say, what is good guided? Yes, Allah, yes, you pierce, you play the sex. You have sex, you have sex, you have sex, you place. I place, I place, I place. You want.
Yes, I want it. Mais, it's a false, what I say, it's a false. It's just for the last community, what I say. It's just for the last community. Just this. It's not what you want. It's not what you want, person of God. It's not what you want. Yes, of course, you're needed. You need it. You have your need. You have your need. You have your want. Persons in me. I have a right. Here I have a right. Allah, I have a right. I want to have sex. I have a right. And it's not nothing. It's too many times. I am a good impressor. I have to make my want. Of course, I have, and I am the destiny. In that point, I don't want to come back without money, without the money. It's a sex symbol. I don't want it. Just to play it, understand? Understand? Yes, you understand. And kifalak, have sex. Maintenant, j'ai encore changé connaissance. Vous n'allez pas le faire. Croyez-moi bien. C'est l'heure et plus personne ne me fait peur. Vous allez peut-être laisser tomber toute l'affaire. Vous n'allez pas mettre vos pieds sales sur madame. Non, vous n'allez pas le faire. Je vous attraperai. Je vous mettrai en pièces. Voleur. J'enflammerai votre maison aussi. Je l'enflammerai comme vous enflammez la mienne. Je suis capable de le faire. Même d'ici. J'ai le Mehdi dans votre état. Vous avez le Mehdi dans votre état, c'est-à-dire un état qui est plus important, un état qui est plus convaincant, un état qui est bien mon interprétation, un état qui revient à la nation, un état qui est bien servi par un homme qui est plus que prétendant. Un rôle qui se laisse au président. Alors, allons, mes amis, allons, amis loin, amis de vérité, amis saints, amis proches. J'ai connaissance et vérité dans la connaissance. Il y a la loi qui donne le représentant. C'est représentant, mais oui, mais c'est vérité. Je fais la plus grande loi, le plus grand seigneur. L'État veut le faire aussi. C'est tellement loué. Ces jeunes, de juste reconnaître. Sachez reconnaître, mais sachez aussi vouloir la dernière vie, mais maintenant. Vous la voulez maintenant? Pourquoi cela demander tout le temps, la dernière fois que vous vivrez? Je n'ai pas attendu, moi, trop longtemps pour faire mon histoire et pour attendre mes derniers jours. J'ai voulu le dernier jour, depuis la souveraineté. J'étais, en fait, dans votre constitution, avec toute cette bonne réplique. Je n'ai pas tout dit sur la dernière souveraineté. Je n'oublie pas vos peuples, Algérie, Syrie, Maghreb, Tunisie, je n'ai pas oublié toute votre connaissance. Je suis en fait doué pour écrire les livres et la direction. Je suis en fait aussi commandant dans mon cher peuple. Je dirige avec âme et grande solution partout. Je donne les priorités
qui commande a la solution, qui doit diriger a forcément votre liberté aussi sur son compte, mais ce n'est pas sans vous laisser tout de suite après disposer de vos moyens. C'est juste le temps de le dire, le temps de vous représenter, le temps de savoir un peu ce temps où on élève un peu le niveau qu'il y a sur le roi, sur le royaume. Et vous connaissez le dicton, il n'y a pas de parti sans levée de fonds, donc c'est une levée de fonds. Et je vais longtemps faire cette révolution, cette grande étatique communauté qui se dirige vraiment vers la dernière destination, le grand calife, horreur, il s'est passé une horreur, des gens extravagants, des gens sans moralité, des gens qui n'avaient pas de foi et qui prétendaient s'élever sans motif même, sans motif de vraie liberté et sans motif de grande laissez-moi passer. Oh, mes yeux ont changé, on dirait. Oh non, ça doit être le reflet de la lumière, je ne sais plus, je ne sais plus. Ça doit être ça, ça doit être ça, mes yeux, ça doit être ça. Maintenant, c'est ça, mes yeux, voilà. La connaissance que je donne, la connaissance, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'évidence que j'ai fait, la discernation du bien et du mal, depuis le temps d'Allah, depuis les raisons du Caire, depuis le jour des peuples, depuis la grande succession. Je prends le peuple de jadis comme un parti de la succession. C'est tenter le tout pour le tout. C'est avoir raison, avoir raison, avoir raison demain, demain, avoir raison demain. C'est le savoir, ce savoir, le dernier temps, le dernier temps. Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Qu'est-ce qu'il nous reste à connaître? C'est une grande annonce, une grande solution qui a été donnée à toutes les communautés. C'est la grande partie des gens, la grande partie des connaissances, c'est le grand peuple qui a besoin de se faire entendre à nouveau. Il est la grande solution. J'ai repris le flambeau et je vais exploser le mondial. Je vais exploser le mondial, ça commence à me taper sur la cassette. À me taper sur la cassette. Ben, quelle est votre économie mondiale? L'esprit de vérité qui me suit à la perfection. Dans mon classique, il y a l'économie, mais quelle économie? Celle du grand sceau, le sceau du prophète, l'économie que vous désirez dans l'islam, la dernière sagesse de la valeur, du bien guidé, le rôle des sentiments, les sentiments du créateur. Pour le bienfait de la révélation, le bien guidé, le rôle des anciennetés sur le modèle à pouvoir. L'économie est l'attente du dernier jour, le rôle de cette fabuleuse direction, le sens des vraies distinctions entre le moyen de rompre le modèle indiqué comme la seule fin en soi du rôle de l'être renseigné sur sa bonne guidée pour le plus grand parti qui va rattraper le choix des enjeux de la dernière religion. Pour le bien guider, il y a un pas vers le futur de cette économie du droit chemin. Économisons le droit chemin pour avoir finalement cette libération à la connaissance de cause et de fait de notre dernière rencontre avec les grandes lignes du peuple, les grandes lignes du peuple, et est-ce que tu as évidemment faim? inspiré sur le dernier sommet, le sommet de l'économie. La religion va entendre que c'est religieux, le parti économique
du sentier de toutes les nations, le rôle de cette économie, le rôle de la loi qui vient jouer le nom bien guidé. L'État qui me voit classique, exposant l'État, l'État qui est en fait dans un nom appelé califat, l'exemple même de cette évidence où l'appât n'est pas la couleur du livre, mais le choix de se rendre compte de l'efficacité de la justice dans la loi du souverain de l'islam. Pour le domaine des pratiquants, l'économie revient à notre cher envoyé, le sens d'enseigner et de répondre à la conquête de la plus grande réalité de notre royaume. Les sentiers sont présents, coûteux, à la fois valorisés par des chemins, des savants qui veulent le dire. Quel est ce nouveau sens économique? Il y a effectivement une tradition et un nouveau sens de l'économie. Il y a aussi la plus longue interprétation du bien guidé, jour des nouvelles sur la cause de l'économie au jour dernier du devoir de l'appel à la dernière transformation. La dernière transformation, en fait, le mec, il n'est pas vrai, t'as compris? C'est un flic, il n'est pas vrai. Il revient tous les jours avec sa story et ses nouveaux agents, voilà. Et en fait, comment il fait? Ben, en fait, il dit par exemple dans la voix, voilà, il dit dans la voix, il dit que il connaît l'imam, il dit qu'il me connaît, et puis après il veut pas révéler son identité, mais il dit qu'il me connaît, et il dit que c'est lui aussi, voilà. Il commence en fait par prétendre qu'il est la même chose. Et en fait, vous comprenez tout à fait la police derrière qui prétend être la même chose que vous pour vous infiltrer. Et en fait, ils font ça à travers l'esprit, bien entendu. Et ils font ça tous les jours en voulant gouverner par la police. Et en fait, ils veulent gouverner quoi? Ils veulent gouverner l'islam. Et c'est très intéressant de savoir jusqu'à quel point ils vont pour essayer de gouverner l'islam. Ils vont jusqu'à vous jouer des prisons à l'époque médiévale, voilà. Ils font des prisons à l'époque médiévale et ils prétendent en fait avoir même votre dernière connaissance, votre premier amour, votre première connaissance avec Dieu. Ils prétendent tout avoir pour en fait mettre le doigt sur quelque chose et lancer leur histoire derrière. Ils lancent leur histoire avec un de leurs agents qui vous fait un rôle et vous pensez que c'est un croyant qui croit et qui joue un rôle alors qu'en fait c'est un ancien flic ou un flic nouveau qui vient d'être sorti tout juste du commissariat et qui veut à tout prix en fait vous mettre la main dessus. Et en fait vous comprenez que c'est faux, mais c'est ce qu'ils font et c'est bien décrit dans les hadiths, le Dajjal c'est bien décrit. Le faussaire, tu vois, qui a une armée, en effet, à la fin des temps, ils ont une armée, cette armée de l'ordre, là, cette armée du faux messie. Et le faux messie, vous l'entendez parfois donner des ordres avec eux. Et en fait, il leur donne des ordres de tirer à vue. Il leur donne des ordres de tuer, comme ça. Sans qu'il y ait de raison, même quand ça lui déplaît, il leur donne l'ordre de tuer. Et en fait, c'est que lui qui donne l'ordre de tuer. Comme le décrit les hadiths, le faux messie ordonne de tuer des gens. Et l'ordre revient à chaque fois au faux messie pour lui demander tout simplement s'il faut tuer cette personne. Et la personne, soi-disant, donne son ordre, puis après il demande, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est vrai? Et vous les entendez, en fait, demander au faux messie, est-ce que c'est vrai qu'on doit le faire? Et je vous ai bien décrit toute la scène du faux messie. Et ils font toute la journée des plagiats. Ils font, voilà, vous savez toute la vérité. Ils font toute la journée des plagiats. Et ils obéissent à un messie menteur. Un messie menteur qui prétend être le vrai messie avec un messianisme. Alors qu'en fait, il n'est pas le vrai messie, il est rien du tout. Il est un faussaire, en fait, il est un faussaire. Dans les relations, c'est un faussaire. Il n'arrête pas, voilà. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de le faire. Et il ne fait que ça, tous les jours, il ne fait que ça.